Wow, le marché est en effervescence et donc plusieurs crypto-monnaies sont effectivement en profit. Un petit rappel avant de continuer, c'est qu'il ne faut pas simplement regarder le prix actuel. Il faudrait toujours garder à l'esprit le prix auquel vous avez acheté votre crypto-monnaie parce que c'est ça qui est le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on voit actuellement, c'est plutôt à quand est-ce que vous serez vous rentable. Et donc, une fois que ceci est dit, on va aller dans une petite analyse du marché, parce qu'on sait que quand le marché essaye de prendre de la valeur, il y a toujours des opportunités qui viennent les unes comme les autres, beaucoup plus alléchantes. Et donc, ici, une petite analyse nous dit que la dominance du Bitcoin est en train de baisser. Et quand la dominance du Bitcoin baisse, ça veut dire qu'on entre progressivement dans la hard season, la saison des altcoins. Et donc, il faudrait déjà être préparé psychologiquement. Parce qu'effectivement, si tu es dans les altcoins, c'est à ce moment-là que potentiellement ta crypto-monnaie pourrait prendre de la valeur. Donc, quand on regarde sur Bifi Finance, par exemple, là, on voit qu'il y a des performances assez ouf sur les intérêts qui sont offerts pour les crypto-monnaies. Salut à toi, moi c'est Elvis Conjo, bienvenue sur la chaîne. Salut à toi, moi c'est Elvis Conjo, bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaie. Et comme tu peux le constater, il y a une tonne de vidéos sur la chaîne pour t'accompagner dans cette aventure, dans ce parcours où l'information est cruciale. Choisis effectivement là où tu prends tes informations parce qu'en période de bear market, on est un peu regardant, mais en période de bull run, il faudrait être très regardant parce qu'il y a une tonne d'informations qui vont venir effectivement dans l'optique de vous vendre un certain nombre de mauvaises choses. Donc faites très attention pendant cette période-ci, parce que l'information devient de plus en plus capitale. Si tu ne sais pas comment tu peux être accompagné dans cet écosystème et voir ton portefeuille grandir, en description de la vidéo, tu as le lien pour nous retrouver dans le groupe privé Telegram, où on partage des pépites avec des crypto-monnaies à très fort potentiel qui peuvent donc faire ton portefeuille exploser. On partage aussi une analyse technique avec des signaux de trade pour t'accompagner dans cet écosystème crypto-monnaie. Et donc, ne sois pas seul, retrouve-nous dans le canal Telegram. Et si tu recherches un endroit où tu veux trader, je mets CoinEx dans ton radar. CoinEx est un exchange centralisé qui est là depuis un bon bout de temps et qui a fait le Proof of Reserve qui permet de prouver que la plateforme est fiable et qu'ils ne vont pas un jour mettre la clé sur le parachute et disparaître avec la crypto-monnaie des utilisateurs. Et c'est un endroit comme ça où tu peux effectivement trader avec un certain nombre de confiance et le lien pour retrouver et bénéficier de 40% des frais de réduction sur des réductions sur les frais de transaction sur la plateforme. C'est en description de cette vidéo. Rejoins-nous sur CoinEx et fais partie de cette aventure aussi avec nous. Donc je reviens sur les plateformes où on va effectivement retrouver des yields, donc des revenus. C'est ce qu'on appelle des yield aggregators. Ce sont des plateformes qui vont agréger les informations sur plusieurs blockchains et vous mettre comme ça des informations et aussi des possibilités d'investir sur plusieurs blockchains de façon un peu plus facile. Et donc, on arrive sur Bifi Finance, qui est l'une de ces plateformes. Il y en a bien d'autres. On va voir effectivement qu'il y a des intérêts allant parfois jusqu'à 3,5% par jour. Et c'est plutôt intéressant de voir qu'on peut se faire 3,5% par jour en stakant sur une plateforme, c'est plutôt intéressant. Le petit logo ici devant nous dit que ça se passe sur Base. Base, c'est un layer 2 sur la blockchain Ethereum et qui a été créé par Coinbase. Et donc, pour bénéficier de cette opportunité-ci, par exemple, vous devez avoir votre crypto-monnaie sur la plateforme Base, donc sur la blockchain de Base. Comment ça se passe généralement? Quand on voit ici une paire de crypto-monnaies, on voit deux crypto-monnaies, ça veut dire qu'il faut fournir de la liquidité. Qu'est-ce que c'est que la liquidité? C'est tout simplement, vous mettez à disposition votre crypto-monnaie sur une plateforme décentralisée pour pouvoir donner la possibilité de faire des trades. Quand on trade sur la plateforme décentralisée, il y a ce qu'on appelle des liquidity providers, ceux qui vont fournir de la liquidité pour rendre cette transaction possible. S'il n'y a pas de transaction, vous ne pouvez, s'il n'y a pas de la liquidité, vous ne pouvez pas échanger une crypto-monnaie par rapport à une autre de façon décentralisée. Et donc, ceux qui fournissent la liquidité, on va donc les appeler des liquidity providers. Et donc, pour le cas de cette paire-ci, il faudra déposer de la crypto-monnaie Loon et de la crypto-monnaie
Ethereum, donc l'Ethereum qui est wrappé. Wrappé, ça veut dire qu'on a transformé le coin en token. Le token, c'est un smart contract, alors que le coin, c'est une unité de chiffre sur la blockchain elle-même. Et donc, comment fonctionne Bifi Finance? On voit très bien là qu'on peut déposer deux paires, une paire de crypto-monnaies. Mais parfois, quand on a une seule crypto-monnaie, il faudrait faire le processus. Il faudrait vendre une crypto-monnaie pour acheter l'autre crypto-monnaie. Et après, maintenant, aller sur la plateforme qui est dans ce cas-ci Uniswap. Donc, on va sur Uniswap sur la blockchain de Base. On va donc fournir la liquidité pour le Loon et le Ethereum. Donc, si on n'a pas de l'Ethereum, on va envoyer son Ethereum, peut-être de la blockchain Ethereum, pour la blockchain de Base. Une fois que ça arrive sur la blockchain de Base, cet Ethereum, tu vends la moitié, tu achètes le Loon et après, tu vas fournir de la liquidité. Et donc, Bifi Finance va entrer en jeu et il va te dire, tu n'as pas besoin d'avoir une crypto-monnaie en particulier, ou bien les deux crypto-monnaies pour pouvoir faire effectivement la transaction. Tu peux avoir n'importe quelle crypto-monnaie et tu vas déposer uniquement ces crypto-monnaies. Donc, Bifi Finance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiser ce processus. Le processus qui sera de vendre d'abord la crypto-monnaie que tu as. Supposons que tu as les USDT et que tu veux bénéficier à cette opportunité. Cette poule ne peut pas recevoir des USDT. D'accord? Et donc, ce que Bifi Finance va faire, il va vendre tes USDT pour acheter de Loon et pour acheter de l'Ethereum. Et après, il va automatiser le processus en mettant de la liquidité sur Uniswap et en venant staker sur la plateforme de Bifi Finance. D'accord? Et donc, sur Bifi Finance, il va aller fournir de la liquidité sur la plateforme de Uniswap à ta place, récupérer les intérêts et faire ce qu'on va appeler de l'intérêt composé. Parce que les intérêts sur des pools de liquidité sont fournis à chaque bloc. Donc, à chaque bloc, il y a des intérêts qui arrivent. Et donc, vous recevez donc les intérêts chaque jour. Et Bifi Finance, ce qu'il va faire, c'est calculer à un moment donné de la journée, revendre ces intérêts pour augmenter votre token de liquidité, votre token LP. Parce que c'est uniquement avec ce token LP que vous pourrez effectivement retirer vos bénéfices. Et donc, plus le token LP augmente, plus vos intérêts vont donc se composer. Si on calcule 3% par jour, ça ne va pas faire les 39 millions qu'on voit ici par an. Mais par contre, si on fait un intérêt composé de ces 3% par jour, c'est-à-dire tu récupères ton intérêt aujourd'hui et en fin de journée, tu remets ça dans le capital, c'est ce qu'on va donc appeler les intérêts composés. Et ce n'est que comme ça qu'on peut effectivement aller jusqu'à 39 millions de pourcents annuels. Tout paraît beau jusque-là. Pourquoi tout le monde ne participe pas? C'est là où vous devez vous poser la question, pourquoi les intérêts sont autant élevés? Est-ce que c'est une opportunité? Et là, vous devez maintenant vous poser la question de savoir quel est le prix de la crypto-monnaie LINE? Quel est le prix de la paire du token LP? Le token LINE, vous allez très vite vous rendre compte que son prix va plutôt baisser, puisque vos intérêts sont payés en LINE. Comme vos intérêts sont payés en LINE, ça veut dire qu'on émet beaucoup de LINE en circulation. On met beaucoup de LINE en circulation. Et comme vous êtes sur une paire de crypto-monnaies où une crypto-monnaie s'apprécie, par exemple l'Ethereum s'apprécie, mais le LINE va plutôt se déprécier, vous allez donc subir ce qu'on va appeler un impermanent loss. Et l'impermanent loss est tellement considérable qu'en réalité, parfois, ce n'est pas profitable de venir fournir de la liquidité parce que tu vas te retrouver à déposer 1000 dollars sur cette plateforme avec l'impermanent loss qu'il y aura et la perte de valeur du token Loom. Tu vas te retrouver en fin de compte en train de perdre plutôt de l'argent. Donc, la quantité de Loom que tu auras va bien évidemment augmenter, mais la quantité d'Ethereum que tu as va baisser. Parce que quand on fournit la liquidité dans les protocoles de décentralisés, l'impermanent loss a juste la quantité de crypto-monnaie dans la poule. On va réduire donc la crypto-monnaie qui s'apprécie et augmenter la crypto-monnaie qui se déprécie.
Et comme plusieurs personnes vont venir vendre les looms parce qu'ils vont récupérer, ils veulent prendre leurs intérêts, on va donc mettre beaucoup de looms sur le marché. Et comme on met beaucoup de looms sur le marché, il y a donc une dilution et la valeur va forcément baisser. Et donc tu vas te retrouver à la fin avec beaucoup de looms, très peu d'Ethereum et la valeur que tu vas sortir avec sera moins que ce que tu auras déposé à la fin. Et c'est comme ça que plusieurs personnes ne vont pas participer à ceci. Et les intérêts vont baisser au fur et à mesure qu'il y aura des personnes qui vont venir fournir de la liquidité. Moins il y a de la liquidité, vous allez constater qu'il y a très peu de liquidité pour ce qu'on est en train de voir ici. On est à 85 000 dollars, 5 000 dollars de liquidité. On est à 56 000. Donc vous voyez que la liquidité n'est pas forcément intéressante. Et comme la liquidité n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de liquidité, c'est la raison pour laquelle les intérêts sont aussi assez élevés. Parce que plus les gens vont venir fournir de la liquidité, plus ça va réduire la quantité, en fait les taux d'intérêt qu'on peut avoir avec la plateforme. Et donc se faire 1% par jour, c'est vrai, c'est possible, mais le problème c'est que en prenant 1% d'un token, vous êtes en train de prendre quelque chose qui perd de la valeur. Et donc la valeur de ce 1% qui vous est donné en réalité chaque jour est diluée dans le marché. Et sur le long terme, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. Et donc vous pouvez développer une stratégie derrière, comme on l'avait vu dans le bullrun précédent. Une stratégie consisterait peut-être à récupérer ses intérêts chaque jour au lieu de remettre dans la poule, mais plutôt de revendre cela chaque jour. Et si vous revendez cela chaque jour, vous pouvez réduire cette perte-là, mais majoritairement, vu que ce n'est pas beaucoup qu'on vous donne, vous serez sur un long terme quand même perdant. Et donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que ce sont des opportunités? Bien évidemment, tu peux maintenant déceler des paires de crypto-monnaies qui sont plutôt intéressantes avec des crypto-monnaies qui s'apprécient ensemble. Si tu as une poule comme Virtual Ethereum, par exemple, ça peut être une poule qui est intéressante parce que Virtual s'apprécie, Ethereum s'apprécie. Et quand les deux crypto-monnaies s'apprécient, ça peut être une paire qui est intéressante. Et donc, tu peux chercher des paires qui sont intéressantes et tu fournis de la liquidité. Mais très bien évidemment, il faudrait comprendre quand est-ce que tu dois retirer ta liquidité. Une fois qu'on a fourni de la liquidité, parfois, à un moment donné, c'est important de retirer la liquidité pour éviter de perdre. Parce que si une crypto-monnaie s'apprécie drastiquement par rapport à l'autre, une crypto-monnaie fait x5 et que l'autre a fait x2, effectivement, il aurait été mieux de ne pas fournir de la liquidité. Comprendre ces impermanent loss-là, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir saisir les opportunités qu'on va voir effectivement arriver là. Et il y en aura bien d'autres. Il y a bien effectivement des opportunités. C'est maintenant à vous d'aller les chercher. C'est à vous de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est à vous de dénicher des poules qui peuvent être intéressantes pour vous. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer un certain nombre de choses là-dessus, bien évidemment. D'ici à là, porte-toi bien, like la vidéo et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo.